Bonjour, bonjour les amis. C'est assez drôle parce que dimanche, je vous posais la question si vous aviez un parfum d'hiver ou un parfum d'été. Est-ce que vous changiez en fonction des saisons, en fonction du feeling, bref, en fonction de plein de choses. Et puis aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le constater, je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, il neige sur Montréal. Et je ne savais pas. Donc je me suis parfumée en fonction de la couleur que je voyais à l'extérieur. Et j'ai mis l'Odyssée d'Issey Miyake, donc un parfum qu'on retrouve plutôt en règle générale en été, parce que vous savez que c'est un super beau floral aquatique où la rose et le lotus s'entremêlent. Et qu'est-ce qui fait l'accord en fait aquatique? C'est exceptionnel. C'est pas la calonne ni la cascalonne, mais c'était vraiment la première fois en 1992 qu'on avait ce super beau floral aquatique. Et ça va être l'accord, excusez-moi, je suis en train de marcher dans la neige, c'est un petit peu chaotique. C'est vraiment l'accord du lilas et de la pivoine qui fait cette fraîcheur. Du coup, c'est vraiment drôle parce que, voilà, j'ai mis mon lécor blanc d'Issey Miyake qui est extraordinaire. Et puis, je suis en train de chercher le flacon. Donc moi, j'utilise l'eau de toilette, le flacon qui est un petit peu givré, vous voyez, comme ceci. Donc aujourd'hui, je porte l'Odyssée d'Issey Miyake. Je suis en train de marcher, comme vous pouvez le voir, dans la neige. Et je pensais à vous. N'oubliez pas, on se retrouve dans quelques heures pour le concours. Un parfum à gagner, comme d'habitude. Générosité. Je vous souhaite une belle journée parfumée. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye!